pas comme ça que j'avais imaginé ma journée. Agent des trackers, mon rôle est d'accompagner et de conseiller. Bonne nouvelle, il faut me laisser faire ma présentation. Pour la réunion de demain. Nous organisons des programmes sociaux, depuis des aides financières jusqu'à des banques alimentaires. Examinez. Je vais peut-être acheter un coussin ou un truc du genre, histoire de m'aider à m'asseoir. Si c'est pour un programme d'aide financière ou alimentaire, nous sommes déjà débordés. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Oh, vous n'êtes pas... Désolé. Je peux vous aider ? On ne veut pas vous déranger, mais toute information que vous pourriez fournir nous serait utile. Écoutez, je lui ai parlé des centaines de fois. Il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité. Mais puisque vous insistez vous aussi, nos premières archives sont essentiellement administratives. Des projets humanitaires, des notes de conseil, des dépenses caritatives. Il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrits en détail. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que décrit Aquilus. Un homme arrive dans le premier cercle des Lumières. Les membres fondateurs l'appellent juste le Vagabond. Ils pensent d'abord qu'il veut la charité, mais non. Le Vagabond leur pose une série de questions. Si votre philosophie est bâtie sur la morale propre d'un individu, qu'en est-il du deuxième? Il n'est peut-être pas d'accord. Ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment? Et les fondateurs répondent. Chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève. Tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant. Et ça continue dans cette veine. Il revient chaque semaine pendant un an. La même conversation à chaque fois. Deuxième personne par-ci, problème de deux par-là. Honnêtement, je... Heureusement, ça a vite été abandonné. Passé cette histoire de vagabond, aucune autre archive ne ressemble à ça. Ravi d'avoir pu vous aider. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois coordonner pas mal d'actions. Vous allez là-haut, hein, dans l'espace. Je vous envie. Je suis jamais allée dans l'espace. Une visite? J'ai toute la compagnie dont j'ai besoin. Il ne connaît pas la vérité. Il envoie une personne pour m'assaillir encore de questions. Peut-être devriez-vous nous écouter avant de porter un jugement trop hâtif. Le grand serpent patiente dans les ombres. Il encerclera l'univers, et tous redeviendront poussière, sauf ses fidèles. Voilà la vérité. Rien de plus,
Rien de moins. Toutes les informations sont plus que bienvenues. Oui, j'ai parlé au prévôt à ce sujet. Je vous dirai ce que je lui ai répondu, et ensuite vous me laisserez tranquille. Jinan Varun rencontre l'incrédule. Il donne une fausse prophétie à Jinan, mais la conviction de Jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas. Il frappe l'incrédule. Mais l'incrédule revient. Jinan se rend compte que le grand serpent le met à l'épreuve, et il ne compte pas abandonner. Par 4 fois, ils s'affrontent pendant plus de 120 rotations de la planète sur laquelle ils se trouvent. « Souviens-toi de ces 4 batailles, » lui souffle l'incrédule. « Souviens-toi de ces 120 rotations. » Mais Jinan sait qu'il s'agit d'un blasphème et lui assène le coup fatal. C'est tout. Alors, nous en avons terminé. Laissez-moi. On nous a appelés pour une panne de courant récurrente. Vous voulez savoir la cause ? Contrairement, je voudrais vous parler quand vous aurez un moment. Je vous écoute. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Je vous en prie. J'ai trouvé ça pendant notre dernière expédition en surface. Je suis pas là juste pour canarder vos ennemis, vous savez. Je suis contente de pouvoir mettre à profit mes compétences sur le terrain. Ça faisait longtemps. Passez me voir de temps en temps quand on revient de la surface. Si je trouve quelque chose d'utile, je vous le mettrai de côté. J'ai toujours aimé cette statue. Elle est belle, hein ? Je me demande ce que l'artiste voulait représenter. Vous imaginez un peu les flux de crédit qui traversent cet endroit ? Au sens figuré, évidemment. Vous voulez mettre votre instinct à l'épreuve et aiguiser vos talents corporate ? Vous êtes de retour ? Qu'avez-vous appris ? Y avait-il quelque chose de caché dans leurs histoires, comme nous le supposions ? S'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions, ça ressemble fortement à des coordonnées. Qu'avez-vous appris d'autre ? Les planètes sont souvent nommées d'après leur position. Ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système. Y avait-il autre chose ? Oui, ce qu'il a ajouté à l'infini. Peut-être est-ce un nom ? Pour trouver sa dernière demeure, il nous faudrait connaître le nom du système stellaire, non ? Résumons. Nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système. Mais quel est son nom ? Adenda Infini.
Et si nous séparions les syllabes ? Aucun système nommé fini ou ad, ce qui ne laisse que da et in. Je ne sais qu'en penser. Oui, c'est ça, la deuxième planète du système Inda. Coordonnées 4 et 120. C'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin. Et de là, peut-être trouverez-vous la vraie signification de l'unité. Avant que vous ne partiez, vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers. Vous portez leur philosophie en vous, en quelque sorte. Je sais que vous cherchez une unité particulière, mais si je vous le demandais maintenant, quelle interprétation m'en donneriez-vous ? Conviction, un autre mot pour force. La vérité ne peut-elle pas être révélée aux faibles, à quelqu'un en proie au doute ? Cette croyance qui peut aller et venir pourrait être la mécanique de la foi elle-même, comme inspirer et expirer. Qu'en pensez-vous ? C'est donc votre intention ? Vos amis, vos compagnons, tous seront emportés comme des fétus de paille vers la réponse grâce à la puissance de votre élan ? Personne ne sera emporté, Prévost. À Constellation, nous formons une équipe. Bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Cela a été amusant, je dois l'admettre. Allez-y, allez trouver votre vérité. Je dois vous dire quelque chose d'urgent. Écoutez, je voulais profiter de cette opportunité pour vous remercier. Le fait que vous ayez risqué votre vie pour me sauver, je sais pas quoi dire. Oui, évidemment, mais ça va au-delà. J'aurais simplement préféré que mon sauvetage ne se fasse pas au détriment de la vie de Barrett. C'était l'un de mes collègues les plus proches, et surtout un ami cher. Il savait toujours comment me faire rire. Il me manquera beaucoup. Ils en ont pas besoin, je me tiens moi-même pour responsable. L'objectif de Constellation a toujours été d'analyser l'inconnu, mais rarement au détriment de la vie de nos membres. Et pourtant, pendant tout ce temps, je n'ai cessé de parler de prise de risque et de repousser les limites, sans véritablement penser au prix de mes actes. Si j'avais pas poussé tout le monde à poursuivre les Astriens, peut-être que rien de tout ça serait arrivé et Barrett serait encore en vie. Non, en effet, mais est-ce que... Putain, pourquoi est-ce que ça nous arrive ? On est des explorateurs. Notre curiosité nous pousse à éclaircir les mystères de la vie. C'est l'un des traits fondamentaux de l'humanité. Et pourtant, en retour, voilà ce que l'univers nous balance. Des êtres venus d'on ne sait où qui essaient de nous tuer. Pourquoi ? Qu'avons-nous fait de mal ?
Non, je refuse d'attribuer la... La question est... Est-ce qu'on doit arrêter d'explorer ? Vous avez raison. J'espère simplement qu'on fera pas deux fois la même erreur. Bon, c'est tout ce que j'avais en tête pour l'instant. Je suis désolée de m'être autant emportée, mais... Je vous assure que ça avait rien de personnel. Vous êtes la seule personne avec qui je suis à l'aise pour parler de ces choses-là. Tant mieux, parce que c'est peut-être pas la dernière fois que je pleure sur votre épaule ou que je vous crie dessus. Allez, une longue route nous attend. C'est le moment de se remettre au travail. Quel dommage que la maison Varun ait abandonné son ambassade. On aurait pu tant apprendre les uns des autres. J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles, et pourtant j'ai encore la nausée dans les transports. Sympa la combinaison. Scanner de sécurité, renifleur de produits chimiques. L'Union coloniale ne laisse rien passer. Et qu'un mot à dire pour partir.
avez tout ce qu'il vous faut ? Le givre commence à détraquer mes instruments. Regardez-moi ça. Ceux qui vivaient dans cette ferme semblent être restés jusqu'au bout.